Poufouf YouTube, poufouf Thibaut. Poufouf. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, nouvel épisode Arma for Life Back Police. On est avec Twitchinou. Et on part sur un braquage. Je laisse Thibaut. Je m'avise parce que je vois plus sur la carte. Je laisse Thibaut répondre. Je laisse Thibaut répondre à la radio et on est parti. Je vous fais un petit point. Vas-y, tu me guides vite fait. Tout droit. Ok. Et après deuxième à droite. Ok. Donc petit point task force, mesdames et messieurs. Alors task force, parce que je pense que vous êtes nombreux à vous à ne pas comprendre le fonctionnement. Donc ça fonctionne avec task force, etc. Attends, je coupe la radio, ça sera plus simple. Donc en gros, c'est contrôle et tab. Regardez en bas à droite. Vous avez normal, fort, faible. L'idée, c'est que pour parler en fort sur le serveur, vous n'avez pas besoin de crier dans votre micro. Il vous suffit juste de vous mettre en fort. Là, je vais où? En droite. Okay, je suis à droite et au point à gauche. Ok, vas-y. Donc en gros, imaginons vous êtes en sécurité, il y a plein de citoyens autour de vous, vous voulez que tout le monde vous entende. Vous vous mettez en fort. Bon, comme vous l'entendez, je ne crie pas dans mon micro. Main game, les gars qui sont derrière les arbres et sur la plage, des deux côtés m'entendent. Si je me mets en faible, il n'y a que Thibaut qui m'entend. Et je ne change pas mon volume sonore. Hein. C'est vraiment, c'est magique, c'est la magie du jeu vidéo. Il n'y a que Thibaut là qui m'entend. Si je me mets en normal, je pense que c'est tous ceux sur la route qui m'entendent, voire un petit peu plus loin. Tout ça pour vous dire, jouez absolument tous en faible. Encore tout droit? À gauche, au plein. Ah. Attends, go. Vas-y. Tout ça pour vous dire, jouez tous en faible, sinon vous allez casser les oreilles à tout le monde et vous allez pas forcément vous en rendre compte. Yo Sushi! Et Sushi qui beat. Sushi qui a décidé de viser le classement des beaters. Merci Sushi, ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, restez tout le temps en faible. Et dans tous les cas, si quelqu'un veut vous parler, il se mettra devant vous, il vous entendra. Et si quelqu'un vous dit « je vous entends pas », c'est soit que vous êtes au faible et il est trop loin, soit que vous avez votre micro de mute. Voilà, grosso modo, c'est les deux trucs. Donc n'hésitez pas à jouer en faible. Au moins, vous pouvez être chacun dans votre coin et quand des gens passent à côté de vous, ça évite qu'on entende toute votre vie qui, des fois, n'est pas méga intéressante ou ne nous intéresse pas. Exemple, MDR, hier, j'ai vu ma cousine et puis je suis tombé amoureux, tu vois. Des fois, tu tournes à côté de joueurs, t'entends des trucs, tu te dis mais non, je ne veux pas. Alors attends, il est où? À gauche. Oui, c'est on va où, là? À gauche. On va sur un braquage qui a eu lieu, mais il s'est barré direct. Ok. Donc juste à gauche, là, maintenant. Ok, attends. Voilà. Et normalement, c'est sur le supermarché là. Ouais. Alors, est-ce que tu vois des gens qui sont cachés? Qui sont cachés? Yo Benoît! Merci pour les bits, Benoît! Goodbye! Goodbye! Là, en l'occurrence, on est sur Gemstone, donc on est passé devant une personne à l'intérieur, sauf qu'il y a eu donc apparemment beaucoup de dégâts parce que toutes les vitres sont pétées. Yo Matt! Merci pour le follow. Bienvenue à tous. YouTube! Négatif. Les barres de like, on s'abonne. Joyeux 2019. Ok. Oscar de CRS. Et tu penses que le XO5 est toujours en route? Il y a moyen, hein, se fait passer pour la base. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai, pour ceux qui débarquent, en gros, on recherche un XO5 civil qui se fait passer pour des flics. Et. Il serait peut-être en haut là. Je sais pas, on va aller voir. Et la Megan RS, pour info, c'était les braqueurs qui ont négocié. Où ça? En off-road? Ouais, à droite, sur la mine. Là-haut? Ouais. Vas-y, on va aller voir. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Du coup, voilà un petit peu pour la température actuelle. Un XO5 qui usurpe l'identité des flics. Et au final, les braqueurs et la voiture qu'on recherchait, c'était les mêmes. Ah, attends. Oscar de CRS. Non, c'est un Evoque SVR, ça. Il y a une Megane RS derrière. Ouais, mais elle fait des mecs. Tu crois vraiment qu'un gars qui... Tu penses que c'est lui? C'est une Megane RS, non? Ouais, mais la question c'est, Thibaut, tu dois déjà le savoir, on a quoi comme info? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier cette Megane RS? Je sais pas s'ils ont la plaque, je sais pas. Justement, j'aurais bien aimé aller voir bah la, ouais, plaque et parce que la plaque là-haut. Si on contrôle le gars, il va avoir les papiers, il aura tout, et puis on va lui dire vous êtes pas recherché? Il va nous dire non. Ah, je le contrôle pas moi, je vais juste savoir, je dis bonjour, je sais quoi votre véhicule, je prends la plaque en même temps, puis on va. Ah, direction de Lakeside. Oh, on est loin encore là. Vas-y, essaye de voir s'il y a la plaque. Pour la Megane RS qui a fait un flux de température tout à l'heure, vous avez une plaque? C'est pas facile d'être policier, les gars.
C'est pas Je simple. mets en attente, c'est Sid Oscar. On attend. Parce qu'en gros, Je comprends l'idée. plus rien. Mais à mon avis, c'est pas celle-là parce que la voiture était signalée sur le Suis braquage de l'autre côté, pour je embarquer. pense. Ouais. Je pense que. Tac-tac. J'ai vu le On XE5 qui est peut aller passé direct. devant, c'est un noir. Normalement, il est Contre bleu une le plaque XE5, Elias. reçue Celui au qu'on niveau du cherche. véhicule en revue de tempête. Suis. On a rien, on a pas la plaque. Vas-y, bon, on se casse alors. CRS d'Oscar. Transmet. Vous souhaitiez me contacter? Ouais, Et pour c'est faire parti! un. On s'est Elle rendu effectif. est tellement terrifiante cette pente. Bon bah écoutez, retour de patrouille du coup, Twitch YouTube, pour ceux qui veulent être nos yeux et nos oreilles. XO5 bleu et Megan Estate blanche, mais comme il n'y a pas d'infos, j'aime pas faire des chasses aux couleurs parce que bah blanc c'est une couleur assez facile à trouver. Et on va passer notre temps à se faire cramer et à contrôler des gars qui ne sont pas forcément recherchés. Voilà, ça fait le plaisir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un max d'infos ou alors d'être à côté d'une patrouille. Comme ça, imaginez, ça nous dit T-Max bleu dans cette direction. Si nous on est à côté, et ben on peut plus facilement se dire c'est le secteur, c'est un T-Max bleu, c'est bon. Comme là, on est à l'autre bout du pays. Désolé, j'ai le nez pris. Comme là, on est à l'autre bout du pays. Si on nous dit Megan Estate blanche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va en croiser une là, alors qu'elle est signalée sur Lakeside. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Ah oui, petit spoil, il y aura des changements au niveau des ressources et des traitements aussi. Voilà. Pour ceux qui se demandent, on va refaire un. À ce que j'ai compris, à certains staffs qui sont posés un petit peu là-dessus. Il y aura un petit déplacement de certaines ressources. Ça va vous faire un petit peu plus. Pas forcément voyager parce qu'on va pas. On va pas. La carte, elle est fixe au niveau de sa taille. Mais essayez de mieux placer certaines ressources parce que. Comme vous devez vous en douter, au niveau de la carte, il y a déjà des endroits prévus pour certaines ressources. Essayez de les dispatcher un petit peu au bon endroit vu qu'on commence à bien connaître la carte. Alors, pour le moment, on est bon. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. J'ai pas eu de. Non Y a pas eu de plus. communication radio. Bon, bah, c'est que ça doit être important. Et vite fait, pour le plaisir, Vous étiez menacé Panthère, remets un petit bleu. transmettez. Pour montrer un petit Jusqu'au peu. le véhicule volé, vous avez Attends, pas attends, attends, pas plus tout de suite. de C'est quoi? Coupe-le, détails. on va aller dans un Vous endroit. étiez en direction de Ah! l'extrémité Panthère! opposée. Panthère! Extinction, Panthère! Extinction, Panthère! Vous avez pas pu Panthère! l'arrêter, Le vous. bouton Point bleu! négatif, c'est un civil à qui il a voulu le revendre qui l'a volé. Le Panthère! véhicule a été volé. Panthère! Le véhicule n'a pas été Merde, déclaré il est plus volé. dans la bagnole! Reçu. Oh merde! Transmettez. Vous pouvez dire à mon collègue qui m'a oublié sur la route. C'est suivi pour vous mettre en porte. J'ai vu précision, tu as sauté de la voiture. J'arrive. Oui, j'ai vu. Mesdames et messieurs! Il est plus là! Où es-tu? Bordel! Comment vous voulez travailler dans ces conditions? Sérieusement? Mesdames et messieurs, mettez-vous un petit peu à la place. Comment vous voulez travailler avec des collègues pareils? Le mec qui saute de la voiture, il met le bleu. Du coup, on se fait cramer par deux voitures. Et où c'est qu'il est? J'ai perdu mon collègue. Twitchinou. Ah bah regardez, il est là. Bah bravo, hein! Compliqué la vie de Bah policier. bravo, hein! C'est quoi? Faut t'emmener à l'hôpital? J'ai l'impression que tu boites un peu. Y a l'impression aussi. Ok, bon attends, je fais juste quelques photos de la voiture et puis essaye de pas pisser le sang trop longtemps. Ah, c'est le pied ça, y'a la chaussure qui protège. Attends, vas-y, attends, je vais juste terminer ce que je faisais. Il avait qu'à pas sauter de la voiture. Alors, je voulais pas montrer, mais c'est important de vous le montrer. Voilà, la voiture, elle a les deux tons US aussi. Voilà, chose qu'il n'y a pas de base sur une Panamera de base. Hein. Voilà, donc ça fait partie des. Et elle parle aussi. Voilà, on prend 2 secondes. Thibaut, ça va? Serre ta jambe, Thibaut. Point de compression. Orteils. Point de compression avec la ceinture, Thibaut. Fais un garrot. Voilà, et là, bien évidemment, le klaxon civil. Voilà. Donc, petit véhicule assez sympa. Là, on emmène Thibaut à l'hôpital. Bien joué, Thibaut, quand même. Hein. Tu sais que je te disais, Thibaut, le bleu. Thibaut, le bleu, Thibaut. Le bleu. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit. Mais il est dans la voiture ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait?
Et je vois qu'il n'y a plus personne dans la voiture et je me dis ah. Non mais c'est parce que quand j'ai appuyé, ça n'a pas voulu, ça m'a fait genre j'ai le giro était trop dur à décrocher en. Ouais, c'est quand en fait normalement c'est vrai que je te l'ai pas dit, t'as pas besoin d'ouvrir ta portière pour mettre le bleu, tu dois juste baisser la fenêtre. D'accord. Mais... Voilà. C'est pas grave, ça arrive, tu vois. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à te le dire. C'est vrai que c'est un peu dommage. Qui roule beaucoup trop vite sur la plage de Costa del Mar, elle nous a doublé dans l'escorte, une Toyota Supra jaune. Si vous avez une plaque. Ouais, on va à l'hôpital avant, non ? J'ai rien du tout, là, ça part à plus de 210 km/h. Ah oui ? Escorte en direction, je vais vous dire ça. On va à l'hôpital ou pas, Thibaut ? De Jamestown. Vite fait. Vas-y. De Jamestown ? En cours d'interpellation, besoin de renfort. Un suivi, on arrive. Attends. On va sur un renfort et après. Vas-y, guide-moi. Tout droit. Vas-y, claque le bleu et tout. Comme ça, on va montrer un petit peu à tout le monde. Et là, je vais où, Thibaut ? Thibaut qui est. Je suis là à droite, première à droite. Ok. Tout au bout à droite. Vas-y. Et à la sortie du pont, on ira à gauche normalement. Escorte de. Regardez-moi ça, comme elle est belle ! Ah, ils sont indisponibles, transmettre au service. Elle est pas trop belle, mesdames et messieurs ? Exactement, vous trouvez la Supra là, on arrive sur zone dans pas longtemps. Là, je vais où ? Je vais à gauche ? Ouais, je suis tout au fond, tout au bout. Ok. Il y a la voiture tout en haut. Elle est tellement belle, les gars. Regardez le bleu. YouTube Twitch, est-ce que c'est pas trop beau? Ouais. Je vais arriver sur zone. Ils ont réussi à la voir. Vas-y, je te laisse aller voir. Gardez... Ah oui, c'est vrai, il meurt. En même temps, il saute de la voiture aussi. Regardez, mesdames et messieurs, comme c'est beau. Waouh, est-ce que c'est pas la plus belle chose que vous ayez vue aujourd'hui après mon visage et mon sourire? Pas du tout, on devait passer à l'hosto. C'est trop beau. Putain, y'a du monde ici, hein. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous savez que vous êtes garé en off-road? Vous avez un papier d'identité? Permis de conduire? Ah, je pense que la Porsche elle est pas mieux non plus. Ah, mais c'est pas la mienne, je vois pas du tout. Moi je fais un simple civil, je fais de la pioche. Ok, bah on va vous demander de circuler là, si vous êtes un simple civil. Et non, c'était Mac. Tu m'as fait peur. Pourquoi on a besoin d'être 50 ici? Bonjour, bah, bonsoir. Bah, parce que oui. C'est les braqueurs d'avant. Ils sont 4 là en sortie de véhicule et nous on est déjà occupés à la. Non mais vous avez négocié quoi? Je pensais qu'il fallait les laisser partir. On les a laissés partir, c'est pas le même véhicule, sauf que ce véhicule fait le con depuis avant. Ah d'accord, ok. Donc c'est une nouvelle inter alors. C'est ça, et vas-y. C'est les braqueurs d'avant. Ok, ça marche. Moi j'ai fait stopper la sécu aussi, parce qu'on est. Plus on est, plus on est fou. Ça marche, parfait. Alors là-bas vous avez CSI, là vous avez BAC et derrière vous avez CRS. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon bah écoutez Pardon, monsieur la police? Oui. Vous voulez balancer les CRS dessus? C'est de la police ou monsieur? Ah non, je fais des je suis mineur mais je suis venu voir un petit peu ce qui se passait. Mais monsieur le policier? Oui. Disons qu'il y a un petit problème au niveau de la défaut des voix. Mais je suis pas policier, les gars. Attention. Il y a un usurpateur. Ah, la M5, tu t'es la BAC aussi? J'ai pas fait gaffe. C'est une BAC, ça? Non, ça c'est civil, les gars. Hein. Attendez, on fait un petit vérif de plaque. Est-ce que c'est un véhicule flic, ça? Ok, d'accord. Je sais pas. En tout cas, la plaque correspond. Je sais pas si c'est la BAC. Collègue? Ouais. C'est la BAC, ça? Non. Ah ouais, on est d'accord. Ouah, hein. C'est quoi ça? C'est légal, ça, tire! Ouais, feu!
Ouais, il y a des effectifs, les gars, ce soir. Hein. Désolé, désolé du peu, mesdames et messieurs, mais il y a des effectifs de sortie. YouTube, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Tempête de sable qui arrive dans 5 minutes. Mais au moins, écoutez, au moins, vous voyez des effectifs. Voilà, vous voyez un petit peu la coopération. Donc là, on a CSI. Qui est, c'est les gars, là, un petit peu chaud. Là, on a, bah, je sais pas, une BM, je pense qu'elle fout là. La petite Porsche Panamera back. Et derrière, vous avez CRS. Et là, vous avez Sécurité Publique qui est passé, qui est un autre service. Coucou les collègues. Voilà, un petit peu de... Je sais pas combien on est ce soir, mais... Là, en effectif... En effectif, combien on est? On est une bonne dizaine, non? Sur privé, on décolle. On est 7 en fait. Bon, je suis en danger. Donc il est actuellement 3h, vous êtes placé en garde à vue. Vous avez, on est 7 en effectif. Vas-y, viens, on fait pas de bruit, on monte dans la voiture, on s'en va. Il n'y a pas d'avocat. Ah, on fait pas de bruit, on monte dans la voiture, mec. Ah, attends, on va éteindre le gyro, on va l'arranger. Voilà. Allez, go. Donc, tu sais, on va faire demi-tour à partir de l'autre côté. Là, l'idée, c'est de pas faire de bruit. Vous savez, tu pars discrètement sans faire de bruit avec un peu de chance. On va pouvoir repartir tranquillement en avant. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, si j'ai bien compris, c'est une bagnole de civil qui a doublé en off-road devant des flics à plus de 200. Et du coup, bah, s'est tapé 25 flics sur le visage. Et puis voilà, quoi. C'est le côté plaisir. Bon, en même temps que c'est les pendant qu'ils ont contrôlé, ils sont aperçus que c'était les braqueurs qui... Oui. Et en plus, ils sont vraiment pas intelligents. Parce que oui, comme dit Thibaut, c'était ceux qui avaient négocié juste avant. Donc bah là, du coup, tant pis pour eux, quoi. Ils ont été bêtes. À la limite, nous, tu nous doubles en off-road. Bon, tu sais pas qu'on est flic, ça passe. Mais CSI, c'est écrit en gros police sur les portières. Bon, le véhicule est un peu banalisé, mais il reste siglé police. Donc ouais, c'est... Et ils avaient déjà les gyros en plus hein, quand ils ont dépassé. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute, tant pis pour eux. Faudra pas s'étonner quand on viendra à 6h du matin chercher la télé et le four. Petit CSP, vous avez à côté. Je suis en train de taper sur la nouvelle version d'ailleurs, vous verrez ça soon. Oh, il y avait Drago. Vol, dragon, vol. Bon, bah, à mon avis... Ouais, le skin est magnifique. J'ai débug aussi hier le C635 Red, il était mal mis. Il était à 0$, il avait 1 de coffre. Du coup, je l'ai débug. Maintenant, il a 100 de coffre. Ça permettra de mettre un peu plus de lance-roquettes dedans. pour assaut, vous savez, bien évidemment, pour faire les... Le minimum, quoi. Ouais, voilà. Le minimum vital pour faire les petits assauts des familles. Donc, du coup, ouais, petite patrouille plutôt calme. Mais au moins, on a vu un petit peu les collègues, c'était bien. Thibaut, tu continues de jouer après la tempête? Ouais. Eh ben on se retrouvera du coup après la tempête, pour ceux qui demandent. Pierre Kirisov, 28 mois, coucou Pierrot, bienvenue. Make you time, say goodbye. Merci Pierre, ça fait plaisir. Oula, 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 on est bon. Bienvenue Pierre, le resubs. Welcome, welcome, 28 mois Pierre. C'est pas assez ça Pierre, c'est pas assez, depuis le temps qu'on se connaît, c'est vraiment pas assez. Et d'ailleurs, blagounette, Pierre, Romain maintenant il est dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai toujours pas eu le temps de le voir. Il est même dans le nord, plus précisément. Il me disait « Ouais, je suis dans le nord, c'est à côté de chez toi, nanana. » Et au final, on n'a pas eu le temps de se capter encore. Alors, voyons voir. Ouais, à mon avis, avec la tempête de sable qui arrive dans une minute, on va peut-être se poser sur le côté, faire un 5 data, non? Enfin, dans combien de temps? Une minute, là, même. Une minute, ouais. Je vais juste reprendre mes affaires, moi, comme vas-y, ça. Vas-y, vas-y, fais ça bien. Moi aussi. Hop. Et trousse à outils. Ah, on s'en fout, trousse à outils, mec, c'est un véhicule qui a acheté, ça sera sauvegardé. Bon, bah écoutez, pour cet épisode, nous on va se laisser là-dessus tranquillement. Et Iderox qui sub. Bienvenue, Iderox. Le sub goal qui grandit, mesdames et messieurs. Merci à vous, ça fait plaisir. Bienvenue, Iderox. Thibaut, on se laisse là-dessus, on se retrouve après la tempête. Ouais, ça marche. Bisous, Thibaut. Bisous, YouTube. J'espère que cet épisode vous a plu. Prochain épisode un peu plus long, mais voilà, il y a les reboots serveurs à faire aussi de temps en temps, donc ça fait partie du jeu et du plaisir. Tu vois, faut de temps en temps permettre au serveur de reboot. En plus, vous êtes énormément à rejoindre le serve en ce moment, donc ça fait ultra plaisir. Vous êtes 365 viewers comme les jours dans l'année. Bisous toute l'année, on est là en 2019 RPZ. Bisous, chouchou, salut, et coucou les collègues. Bisous, bisous.